Parce que ça fait 2,25 m sur 2,25 m sur 4,15 m. Je n'ai pas fait le calcul, de tête ça fait plus que 16, ça doit faire 20. Donc voilà, comme dit Sylvia. Et puis moi je dis. Et puis donc voilà. Donc voilà, c'est toi. Je me mets à 5 cas, dans tes cas. Donc on a tout viré, ça y est. Je pense qu'on a bien gagné 500 kilos. Et t'as fait tout ça en une journée? Bon, on a attaqué hier après-midi, puis j'ai fini en fin de matinée. Donc là, maintenant, on décrotte les murs et le sol. Et ce matin, on a fait un petit tour pour la suite des événements. Et on va se lancer dans un truc... qui n'était pas prévu et qui va nous donner un petit peu plus de boulot. Ouais. Mais qui vaut la peine. Ouais, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On n'en dit pas plus parce qu'il faut garder des trucs pour la semaine prochaine. C'est ça. Donc, comment dire... On leur dit juste à la semaine prochaine. On est des ouf quand même, mais c'est la vie. Bon, on va dire que nos potos, Jérémy et Charlotte, ont des tâches sur nous. Non, je pense que je serai jamais comme lui, mais voilà. Il a fait des choses qui nous ont donné envie de faire des choses. Et on pensait pas pouvoir les faire, surtout dans le coin. Et puis finalement, on a rencontré un artisan qui fait ça. J'en dis pas plus, mais donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça, on vous dit à mercredi prochain, portez-vous bien. Et là, je pense que ça va accélérer parce que les jours vont s'enchaîner. Chaque jour, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça avance. C'est ça. On prévoyait de partir fin février. Bon, il y a des trucs, on sait déjà qu'avec les délais, ça va être chaud patate, mais bon... Bon, début mars, on est parti. On fait tout. Donc voilà. Bye bye, à la semaine prochaine.